Pour la troisième année consécutive, l'Académie de beauté de Villeneuve-d'Ascq sera partenaire de la grande finale de Miss Prestige National le 10 décembre prochain. L'école d'esthétique nordiste aura donc le privilège, mais aussi la lourde tâche de préparer, coiffer et maquiller les jeunes filles pour la compétition. Pour l'occasion, vous voyez sur ces images en guise de répétition hier, Miss Prestige National 2011, Christelle Roca ainsi que Geneviève de Fontenay ont visité l'Académie lilloise hier. La Miss a même pu profiter des soins de l'école et a rencontré la vingtaine d'élèves choisis pour participer à ce concours. L'Académie beauté de Villeneuve d'Ascq est une jeune école puisqu'elle a ouvert il y a seulement 5 ans mais compte déjà aujourd'hui 170 élèves. Ce concours et cette finale de Miss Prestige National, ce sera bien sûr une consécration pour toutes ces élèves. Et écoutez justement Christelle Roca, Miss Prestige National 2011. Elle se souvient de son concours l'année dernière et de quelques péripéties lors du maquillage. Elle est au micro de Macha Grunessen. L'année dernière, c'était très stressant pour moi. D'ailleurs, j'ai stressé la fille qui m'a maquillée le soir de l'élection. On a gardé contact puisque je me suis excusée. J'étais réellement en état de stress. Pas désagréable, mais enfin voilà. Donc j'ai gardé contact avec cette fille. Et je suis contente d'ailleurs de la revoir aujourd'hui. Et je n'ai pas réellement vu de différence puisque je me suis fait maquiller par les plateaux télé, mais après, dans la vie de tous les jours, quand on fait les élections, c'est moi. J'aime bien me maquiller toute seule, j'ai pas besoin de grand monde. Même si c'est toujours agréable de se faire maquiller par des professionnels, j'aime bien aussi prendre soin de moi, j'ai pas besoin de grand monde.